ça va pas, il faut dire les choses. Je vais vous annoncer, je ne fais plus partie de la Coco Gang et je vais demander à tous ceux qui m'ont suivi là-dedans de partir de là. J'aime pas ça. J'aime pas quand on me prend pour une... J'aime pas les manipulateurs, en fait. Ici, c'est la diaspora positive. J'ai dit ici, je dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Adèle, comment tu vas? Oui, je viens juste d'entrer là. J'entre, je tombe, on m'a envoyé une vidéo d'Élise. Quand il y a un groupe, dans un groupe, il y a un autre groupe. Oui ou non? C'est ça, en fait. Dans un groupe, il y a un autre groupe. Ça, je le savais déjà, mais je n'ai pas parlé. Je me suis dit, bon, j'observe. Parce que moi, j'aime souvent observer. J'observe et je vois où les gens veulent un peu partir. Je cherche à connaître les tenants et les aboutissants avant de parler. Je l'ai observé depuis. J'ai vu ce que ça donnait depuis. Et je me suis retirée du groupe. Je ne vous en avais pas parlé. Parce que je sais que beaucoup de gens m'ont suivi dans l'histoire pour défendre l'intégrité de Coco et réclamer ses affaires. Donc, je ne voulais pas parler de ça parce que je savais que beaucoup de personnes vont se retourner. Donc, je le dis maintenant parce que je vois, je tombe sur une vidéo d'Élise qui est en train de dire « pas de visa, hoha ». Alors qu'elle vient souvent en faux profil ici là m'insulter. Pas de visa, hoha. Élise, ça a commencé comment? Pas de visa, hoha. Tu étais où quand l'histoire a commencé? Quand on a commencé avec quand l'histoire des mamies, des affaires de Coco a commencé, tu étais où? Mais le sang après la mort, tu étais où? Quand les passeports ont été bloqués au... J'ai pas envie de dire. Tu étais où? Maintenant, tu viens dire pas de visa, hoha. Comme si tu connais l'histoire, comme si tu étais là-dedans, comme si tu sais ce qui s'est passé, tu viens dire pas de visa, hoha. Comme si tu maîtrises trop l'histoire. Tu étais où? Tu sais ce qui s'est d'abord passé? Parce que c'est comme ça que vous aimez faire de la récupération. Vous prenez le train en marche, vous venez faire de la récupération comme si vous étiez trop dans l'histoire. Ce qui se passe sur la toile n'a rien à voir avec ce qui se passe derrière la toile. D'accord? Il y a des gens qui racontent tout ce qui se passe. Il y a des gens qui ne racontent pas tout ce qui se passe. D'accord? Parce que tu viens déjà faire là un peu comme si cette histoire de passeport et de visa, tu connaissais trop les choses là-dedans. Arrêtez un peu la manipulation. Vous avez compris? On ne joue pas avec tout le monde. Arrêtez un peu la manipulation. Ça devient quoi? La Coco Gang a été créée. On a dit qu'on était là pour réclamer les affaires et tout. Maintenant, je vois que ça devient déjà une histoire de que il y a les Bamilékés, il y a les Ékans, il y a les machins. Comme je suis Bamiléké, il faut maintenant qu'on aille créer un sous-groupe où il n'y a que les Ékans, où il n'y a que ceci, où il n'y a que cela. Ça devient quoi? Moi, je veux bien, faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas venir faire sur la toile un peu comme si c'est vous qui avez trop fait le marché et tout ça. Là. Coco, ce que tu fais là, c'est pas bien. Coco, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu comprends? Il ne faut pas utiliser les gens. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Parce que quand elle vient faire ce qu'elle est en train de faire là, c'est comme si elle narguait un peu des gens. Ce que tu fais, Coco, c'est pas bien. Nous sommes toutes des grandes personnes. Nous sommes des grandes personnes. Je me suis plaint ici qu'Élise venait en faux profil parce que je connais ces termes. Qu'elle venait ici insulter en disant... Elle insultait parce qu'elle ne prenait pas ton parti. Et que ce soit elle qui vient maintenant faire comme si elle t'aimait beaucoup. Moi, ça me surprend. Ou on est grand, on a des valeurs, ou on n'est pas grand.
Beaucoup de choses se disent sur la toile. Tu as dit que tu n'as pas appelé quelqu'un pour venir te soutenir. Tu n'as pas appelé quelqu'un pour venir te soutenir. Mais quand quelqu'un est normal et n'aime pas certaines choses, n'aime pas le mépris, n'aime pas, comment dirais-je, qu'on offense des gens, il n'a pas besoin qu'on l'appelle pour venir soutenir une personne. Il n'a pas besoin. Je suis venue, tu ne m'as pas appelé, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça aussi qu'il y a un certain mépris qui doit aussi s'imposer là-dessus. C'est quoi cette histoire? Respectez quand même les gens. Vous ne savez même pas les gens qui sont devant, les autorités qui sont en train de s'occuper de tout ça. Vous ne savez même pas. Elle vient avec le vin dans les yeux. J'ai dit, il n'y a pas de visa, Hora. Mais attends, c'est quand même un consulat de France qui s'occupe de ça. Et on est en France. Non, c'est pas bien ce que tu fais, Coco. C'est pas bien. Si les gens ne veulent pas te dire la vérité, moi, je te dis la vérité. J'ai pas peur que tu viennes dire quoi que ce soit. Tu as dit que tu étais fâché de moi parce que j'ai eu un clash avec la famille de Philippe, mon homme qui est parti, et que tu avais peur que je te fasse la même chose et tout ça, la machin. Donc, tu es fâché de moi et tout ça, machin. Tu me l'as dit aussi par rapport à ma nièce qui a tiré sur deux personnes aux États-Unis. Tu avais peur parce que tu ne sais pas, je commence à te faire peur et puis je peux te faire la même chose. Je peux aussi dire la même chose sur toi, Coco. Je peux dire la même chose sur toi. Je peux dire la même chose sur toi. Tu as appelé les gens à venir te voir pour que tu leur donnes les coups pour savoir comment faire pour prendre de l'argent à quelqu'un. Je peux dire la même chose sur toi. Que j'ai aussi peur de toi par rapport à ça. Que j'ai aussi peur de toi par rapport à tout ce que tu dis là sur Lady. Je peux dire ça de toi, mais je ne le dis pas. Parce que c'est pas comme ça que les grandes personnes réfléchissent. Parce que je ne te juge pas. Je ne le dis pas. Parce que quand on finit sur la toile, moi je vais à mes occupations. Je ne réfléchis pas que qu'est-ce qu'elle a dit, et pourquoi ça fait ceci, pourquoi ça fait cela. Je n'appelle pas les gens pour discuter avec eux par derrière. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si les gens ne te le disent pas parce qu'ils ont peur que tu vas les clasher, bien tu vas prendre ton téléphone pour parler comme tu as fait avec Lady. Moi, j'ai pas peur de ça. Il faut arrêter ça. Quand on est grand, on ne fait pas des choses comme ça, Coco. Quand les gens viennent te soutenir, respecte quand même ça. Respecte quand même les personnes qui sont venues te soutenir. On est là pour une cause, c'est pour ton bien. On ne te supplie pas. C'est pas toi qui nous paye nos chats, c'est pas toi qui nous fait quoi que ce soit, on ne te supplie pas. On est là pour toi, c'est pour ton bien. Non, c'est pas bien. Ça devient déjà un peu comme les choses du quartier, c'est pas bien. On est là pour sa cause, pour soutenir quelque chose. Elle était venue ici, elle a dit ici qu'elle a eu une réunion de famille et qu'elle allait mettre quand même un tempo dans l'histoire. Maintenant, c'est à gauche et à droite, des gens qu'on ne voyait pas, à gauche et à droite, machin. Et puis moi, je me rends compte que l'histoire qu'elle a racontée, que c'est parce que j'ai ma belle famille, comme j'ai eu un clash avec ma belle famille, elle a peur que moi aussi, je lui fasse ça demain ou après-demain et tout ça là. Ça, c'est du pipeau. Donc, c'est tout simplement parce que comme je suis influenceuse, Elise est influenceuse, c'est parce qu'elle voulait plutôt que Elise se rapproche d'elle. C'est pas normal. Dis-moi que non, Caroline, comme tu vois là, je préfère me mettre avec ma sœur Elise. Est-ce qu'il y a un souci à ça? Est-ce qu'il y a un souci à ça? Mais il y a des choses aussi qu'il faut taire. Il y a des choses qu'il faut taire. La dernière fois qu'elle est venue, quand je parlais de ma nièce, c'est pas sur la toile qu'elle est venue dire que non. Moi, j'ai peur parce que demain ou après-demain, tu peux aussi me faire ça. C'est pas vous qui lui disiez si que va lui parler une box. Moi, je suis très lente à la colère, hein. Je suis très lente. J'ai plié le doigt. Qu'elle redise encore la même chose par rapport au crush que j'ai eu avec la famille de Philippe. J'ai appris ça, ça m'a fait mal. Ça m'a choqué, j'ai dit, mais attends. Pourquoi elle peut dire des choses comme ça? On est en groupe. Si quelque chose, on parle en groupe. Tu m'appelles, tu me dis, bon voilà,
ce que tu as dit, non, non, non. Et puis même, elle n'a pas à me juger. Je dis ce que je veux. Ce n'est pas la dictature. Elle a son combat, j'ai mon combat. Elle n'a pas à me dire ce que j'ai à faire. Elle n'a pas à me dire ce que j'ai à faire. Non, moi j'aime pas ça. Je ne fais plus partie de la Coco Gang. Et puis, je demande à tous ceux qui m'ont suivi là-dedans de revenir dans la plénipotentiaire. Voilà, c'est ce que moi je voulais vous dire. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas j'aime pas les foutaises. J'aime pas. Ou on est grand ou on n'est pas grand. Moi, j'aime pas. Moi, quand les ragots, les machins, tout ça là commence déjà à être là, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas associer mon image. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'était une histoire de demander ces choses. Maintenant que ça devient déjà autre chose, je ne veux plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer. Marie Mireille, je ne suis pas là pour dire que tu ne connais pas ma chaîne. J'en ai rien à foutre de tout ça là. Je ne suis plus là-dedans. C'est comme ça là, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai vu, on m'a envoyé. Qui est Judas, moi? C'est moi qui suis Judas? Tu me traites de Judas? Mais tu es folle. Tu es folle. Qui est Judas dans l'histoire? Elle a commencé son histoire. Quelqu'un l'a traité de Judas? Tu viens me traiter de Judas? Tu es folle! Je n'ai de compte à rendre à personne. T'as compris? Ah, d'accord, ses amis, hein. Ok, excuse-moi, je pensais que tu parlais de moi. Quand on est dans un groupe, on n'a pas à juger qui que ce soit. Quand ta personne a un problème, ta personne a un combat, tu viens, tu rentres dans le combat, tu soutiens ta personne. Tu n'as pas à dire que non, elle a mal parlé de sa nièce, elle a mal parlé de sa belle famille. Non, 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 non. Non, non, non. Tu soutiens ta personne. Tu ne connais pas ma nièce, tu ne connais pas ma belle famille. C'est comme ça. Je ne veux plus de tout ça, pardon. Qu'on me quitte là-même avec tout ça. Je ne veux plus de ça. Je reste focus dans mon combat et puis basta. Voilà, c'est comme ça. Je voulais juste vous annoncer. Je ne fais plus partie de la Coco Gang. Élise et tout ça, restez là-bas avec ça. Donc voilà, merci, bisous.